Et yop les petits potes, c'est vrai qu'une nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars, j'espère une nouvelle vidéo pour le tournoi mondial les gars. Vous, je vais présenter les trois meilleurs decks pour moi pour le tournoi mondial, ça va être plutôt cool. Avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner les gars, c'est très important. Et à mettre le petit pouce bleu, ça me soutient énormément et merci à tous ceux qui le feront. Et les gars, on va partir sur ce premier deck, log by double flux les gars, simplement. On va faire deux games avec chaque deck, donc double flux, voilà, vous le connaissez. Un deck recrue cochon royal les gars, très très fort. Et enfin un deck Molos. Sinon il y avait ce deck mais sortir en présentation dans 2-3 jours. Sinon perdre un peu plus de temps et partons sur le premier game. Les gars, si j'ai une défaite, c'est juste un bug de quoi. Enfin j'ai tourné une vidéo, j'ai un bug de quoi, je suis en mode ok bah c'est cool écoute. Ok, donc là on va directement mettre la pression. On va spammer, c'est faux. Ok, là on va mettre, on va prendre un peu de dégâts. Ok c'est bon. Il joue quoi, princesse En vrai je vais quand même bûche. Je vais quand même bûche, je pense que c'est mieux le faire bûche. Mais non, ça je vais faire. Ok, on va mettre un petit squelette en du barrel. Ok, bon allez, il a fait de la dé, là il va prendre son enfer. Ok, il a bien joué. En fait il a semi bien joué genre. Ok, donc là on va remettre un petit feu gobelin. Ok, bon. Là, est-ce qu'on peut dire que c'est un joueur de merde? Oui. Parce que là, regardez, on va juste défendre avec un chouchou. Hop. Chouchou, puisqu'on a un sabre-cadre. Voilà, on va faire un shoot. Putain, on a babadé, il a connecté. Vas-y, en vrai, je vais mettre la pression de l'autre côté. Je pense que c'est mieux à faire. Ok, normalement, là, le goal sabre-cadre qui ne meurt pas et qui va défendre sa tour. Et ça, c'est plutôt cool. T'as même à éviter la princesse. Oh, c'est incroyable. Le goal sabre-cadre, mec, c'est incroyable. C'est trop fort. Bon lui de toute façon il n'y avait pas, je pense pas il est incroyable hein, comme Ok, on prend beaucoup de dégâts, ça c'est cool. J'espère juste qu'elle va me sortir un ballon parce que là il y a moyen je suis dans la sauce. Non c'est bon. Ok bah il sort les barbares d'élite, je suis quand même dans la sauce. J'ai rien pour def là. Ah ouais j'ai un sabacane qui fait le taf mec hein. J'ai quand même fait un peu cher mais ça fait le taf hein. Hop, voilà, j'ai bien joué là. Je pense que j'ai plutôt bien joué. On va mettre une princesse tranquillement. Ok, mais un petit géant royal. On va mettre ça. On va mettre un petit gobelin serbacane tranquillement. On va aller bûche tout ça. Ok, on va malheureusement pas aller prêcher sur la deuxième princesse, mais c'est pas grave. Le gobelin serbacane qui va mourir malheureusement sous les coups de la princesse. Ouais, ça marche, on va prendre les barbadiques maintenant. La princesse qui va gérer tout ça, hein, faut oublier. La princesse, les gars, MVP comme il dirait la Pelux. Et là, je me suis bûche. Je commence à. Bah, on va perdre la tour. Ok, en vrai. C'est bon. On va prendre sa tour, on va s'en faire. Ok, bon, voilà. L'unité, elle prendra jamais de tour, il aura jamais de temps. On va prendre une petite princesse, on met ça, on met ça, on met ça. Hop, voilà, bon, là, c'est fluide. Ok, bah c'est cool les gars, ça fait plaisir, hein. Première game gagnée, bon je pense que lui était pas incroyable, hein. Mec j'envoie le roi de l'île, ça existe quoi. Ok, on a deux atouts épiques les gars, ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs dites-moi si vous aimez bien les systèmes des doubles jetons, c'est cool, hein. En vrai je trouve ça cool. On va partir donc sur cette deuxième game avec les Blood Bait double flux. En tout cas je fais beaucoup de Assassin's CL hashtag 2. On va partir sur une princesse au con. On va tenter de prendre une bûche. Ok on peut le faire. Mais dragon squelette, on va partir de là, ça va. Lui on a puissance. Ok on va prendre un coup, c'est pas dramatique, c'est encore spam. C'est la bûche, moi c'est de la bait. Forcément, il va pas pouvoir toucher le bon Sarbacane si je sorti ça. Okay. Il a bien joué, je l'accorde, il a bien joué. Il a quand même pris cher en fait. Hein. Ouais, il a quand même pris extrêmement cher. Ouais, moi, ça m'arrange perso. Ouais, je vais juste défendre avec des skeux là. Ok, alors, bah, bûche. Dommage. J'ai raté. Non, faut gérer. En vrai, vas-y, je vais assumer les coups, je pense.
Et on va directement partir sur un petit. Enfin, on va quand même prendre pas mal de. Il a pas de bûche. Attends, parce que s'il a pas de bûche, ça change pas mal de choses. Hein. Ouais, s'il a un Fever Bar, il a clairement raté. Et ça, ça fait plaisir, je crois. Beaucoup de dommages sur ça. Ok, ok, Margin Royal. Il a 10 Delex là, vraiment. Ouais, là, c'est la merde pour moi en fait. Hop, donc là, on vient de faire une bûche et tout vraiment incroyable. On va direct en porteur, en fuesque tranquillement. Ok, on met une cache gobelin. Ok, ok. Le gobelin félon qui va sortir. Nous, on va juste mettre des petits squelettes ici. Et on va repartir sur un fût ici là. Ici, c'est un petit peu l'endroit bait. Genre. Ah voilà, voilà. Chaque fois, il y a un petit gobelin qui va rester en vie là. Oh, princesse, là il met un géant royal, non? Pas de GR? Ok, normalement là, il vient de faire, je pense, un bon truc. Il y a une foudre. Ok, il y a une foudre, d'accord. Il a pris 0 coup, ça m'arrange. Là, on va spam. Ok, on va prendre la tour. C'est plutôt good ça. Ok, c'est même plutôt super good en fait. Et là, on va partir en princesse de l'autre côté. Tu veux mettre un max de potions. Ok, là on va mettre ça. Ok, bon là, je sais qu'il va essayer de crush de foudre. Il va forcément essayer de crush de foudre. Mais là il pourra pas tout prendre, là c'est impossible. Et là il va perdre. Je vais mettre une bûche, ok il y a un esprit, donc il n'y a pas d'esprit. On va mettre un deuxième gobelin, une deuxième princesse. On met des squelettes et des gars, on va partir sur cette deuxième minute de la vidéo avec le deck. Les gars sont pour ça imprimés sur deux matchups différents. Je pense qu'on avait le matchup sur les deux quand même. Je pense clairement qu'on avait le matchup sur les deux. Deux géants royales. Ok, bah vas-y, 2500 pièces, ça m'arrange. Ok, donc on va partir avec le deuxième deck, les gars. Donc le molosse. Je le fais par ordre. Que je sais bien jouer ou pas, parce que tu sais, quand on est dans un tournoi, on est plein de faire, etc. Donc on se met sur Steph Curry 30 de 49 pince. Ok, là on va partir en molosse first play, les gars. Vous connaissez les joueurs molosse. Ok, donc là il joue pas. Très très bien. Bah, moi ça m'arrange, il joue pas. J'avoue. Ok, DDE. Très très bien. Ça m'arrange pas, ça m'arrange vraiment pas. Je vais pas proposer le ballon, malheureusement. Ah, quoique. Ah, il a quand même bien joué. Il a quand même bien joué. J'essaie de zap quand même pour se faire de ça en vie. Ok, il a bien joué. Ça va. Là, ça meurt. Ouf, c'est bon. Ça fait chiant. Je vais vous, les gars, là. Ouais, en vrai, il a bien joué. Il a bien joué, j'ai rien à dire. Il joue du. Il joue... Je sais pas ce qu'il joue, mais il joue un deck spam. On va devoir jouer autrement. Ah ouais, évidemment, je vais taper ma chose de très compliqué. Ok, donc il nous offre une tour. Je pense que j'attends des exemples. On va mettre une petite Thompson. Nickel. Parfait. Petite Thompson, petit plaisir, qui va défendre le barbare à la défension. Il met un poison, et là, je pense que c'est une erreur. On va repartir en molosse, je vais carré bélier. Je vais mettre des barbares, les gars, pour aller défendre tout ça. Ok, alors là, je suppose. Là, on a 5-5, ouais, je pensais qu'il allait faire ça. On va évidemment zap tout ça. Pour essayer de garder notre molosse en vie. Et là, les gars, on a beaucoup de dégâts, je pense. Et là, il va servir de la. Okay, parfait. Il va prendre pas mal de dégâts, mais ça va pas être suffisant pour prendre tout, malheureusement. Il a quoi pour les fonds? Il a plus ce saut électrique, on va peut-être partir en ballon. Sans tous les cas, on a une boule de feu, les gars. On va juste mettre ça comme ça. Il va nous laisser le ballon. Bah tant mieux, ça me va. Je crois qu'il a juste fait un tour de défendre. Ok. Là, il a fait de la terre à laisser le ballon, parce que du coup, on va prendre la tour gratuitement. Et là, les gars, il faut partir sur du spam intense. Vous êtes pas prêts, vous avez jamais vu des trucs comme ça. Alors le problème c'est qu'au moment où je pose molosse, il va envoyer son car. Ah bah, parfait, parfait, juste les gars, parfait. On va envoyer un petit molosse tranquillement. C'est pas un match-up simple, hein, je vous l'annonce.
Vas-y, on met ça. Ça, on a boule de feu. Boule de feu. On a ça. Malheureusement, on a pas pour un zap. Ça fait impossible de zap là. Non, mec. Arrête. On va prendre très très cher sur ça, malheureusement. On va prendre très très cher. Et j'ai rien pour les terrestres, mec. J'ai rien pour le terrestre, j'ai boule de feu. J'ai atteint un bout d'œuf, les gars. Ok. Ah, j'avais rien, mais je pense qu'il a recompteur là en vrai. Mec, je peux rien faire. Hein. Il y a son D2 qui me fait trop chier. Ok, bah c'est pas grave. GG en vrai. J'ai quand même eu le seul d'avoir un petit buff de co parce que du coup j'aurais pu faire beaucoup plus. Là, j'en sais pas grave. On passe sur le deuxième game contre Michel Gerli de Armata 0 Scura. On va partir en mode first play. J'espère juste qu'il a pas de D2. Ok, bomber, très très bien. Hop. Alors nous on a une main de départ qui est un peu éclatée. Ok, Jean Royal, très bien. On va juste pas forcer sous la def. Moi je vais juste y aller comme ça. Pour la def, je vais y aller simple. Je pense que c'est le meilleur truc à faire. Là ça ce mot là c'est un manque. Voilà, là on va prendre un coup de ballon. Zap, dommage. Dommage, en vrai, dommage. Voilà, on prend très très cher. Ouais les gars, t'arrives. Ça finit pas, donc on a une boule d'œuf. Tous les cas là on a une petite tombstone pour aller gérer ça. Est-ce que tu peux être très relou? On a aussi une petite méga pour aller supporter notre tombstone. J'espère juste pas prendre la bombe. Ah il a bien joué, on va prendre malheureusement la bombe. Ah on va prendre la bombe. Ok, bah c'est cool. Oui il y a autant de dégâts juste. Les gars, il a mis comment autant de dégâts, genre? Ah ouais, il a mis GER, ouais, c'est vrai. Ok, bon, on va lui laisser ma tour. Donc là, on lui laisse ma tour. Et les gars, on va partir en molosse de l'autre côté, tranquillement. Cette fois, je mettrai... Ok, on met un bomber, très très bien. Bon, je pense qu'il sait qu'on va refaire la même. Ok, bah, on refait la même, les gars, c'est parti. Il met une artificière, on va mettre un ballon ici nous. Et là un chasseur, et ça va me faire chier ce chasseur. Bon, je vais essayer de zap. Voilà, ça fait très peu de dégâts et du coup on va prendre la tête sur ça. Je pense là avoir plutôt bien joué. Ouais, je pense que j'ai très clairement bien joué. Il a 6 flèches en plus, mais ça va. Et les gars, on repart sur une boule de feu qui va prendre la tour. Là la seule chose que je vais faire c'est mettre un spell avec. Les gars, j'ai les barbares au cas où ils zap. On va mettre les barbares ici. On va zap tranquillement tout ça. Et on va malheureusement perdre la tour. Parce que la bombe normalement elle tape. Hein. Si j'y mets de connerie, elle tape. Hein. C'est ça, avec un molosse. Hop, comme ça, on va pas les plus. Et là, ça va être le moment critique où il va commencer à spam. On va essayer de mettre son tombstone comme ça. Voilà. Pas moins trop cher non plus. Là on va mettre les barbares, là ça s'impose. Le but là c'est de prendre pas de kills que le géant. Il a mis un jeu bomber, très bien joué de sa part. Nous on va juste boule de feu ça. Ok là, belle boule de feu. On va mettre un petit ballon, il a un chasseur, j'ai oublié. Mec il a un chasseur, j'ai oublié. Oh non, j'ai mis un. Ouais. GG mec, je pense que t'as été clairement meilleur. Oh, attends, il y a peut-être un moyen de. Non, ça t'a pas fonctionné là. Pourquoi ça t'a pas fonctionné? En fait, j'aimerais bien qu'il arrive juste de spam en fait. On va zap pour pouvoir prendre beaucoup de sketch géant. Là, on va juste mettre les petits dragons squelettes. Et là, faut que je me prépare parce que je sais qu'il va mettre son GR. Donc là, je vais mettre un ballon forcément. Donc on va juste mettre une petite zone ici pour essayer de gagner un max de temps. Les gars, ça touche, j'ai gagné. GG. Ok les gars, c'est le deuxième game qui match pas facile, il a chasseur, il a l'arty, il a le bombard pour mes barbares, il a squelette géant plus GR. C'est pas un match facile, les gars, on gagne 2 étoiles rares, ça fait extrêmement plaisir. Ouais je pense qu'on va aller vite profil, ouais bon pas incroyable. Ouais pas incroyable non plus. Ouais non plus et lui pas incroyable. Et là c'est juste bug de co. Normalement je gagne hein. Clairement je gagne normalement. Bon, c'est pas grave. On va partir avec le dernier deck. J'ai fait 2 victoires avec. Enfin, en game. Ouais.
Ouais. Ok les gars, pour ce deuxième game, c'est le deck que je maîtrise le plus, je pense, pour gagner les deux jetons légendaires, ça me fait sans plaisir. On va pouvoir passer. Je vais pouvoir améliorer ma bûche en niveau 2, enfin, pour voir, parce que j'aurais pas assez d'or, mais c'est pas grave. Ok, on retourne sur Europe 7 de Puig de Montana. De Monta. Ok, on va jouer un petit esprit first play en mode bas les couilles. Ok, joue deux pensiers, c'est très bien. Il joue pas deux pensiers, c'est très bien. Il joue ballon. Ah. En vrai, est-ce que j'assume le coup et j'essaie de partir, mais c'est une boule de feu sur la merde. Donc on va mettre une boule de feu. Et on va partir en cochon royal quand même, par contre. Et là, c'est une boule de feu, c'est là où je suis dans la merde. Ok, la colibou boule de neige, ouais. Ça fait une bonne défense. Quoi, mec, il a combien de sorts? Oh putain, je suis pas dans la merde, non. En plus, c'est fort. Ah, moi ça va, c'est force. Ok, bon, là il a forcé, hein, clairement. Là il aurait clairement pas dû forcer. Là, je sais pas s'il joue comme deck. Donc on va mettre un petit esprit tranquillement pour aller essayer de soigner un mousquetaire s'il défend. Il joue bien, mais ici c'est bien, je sais pas. Et noir pas se faire en squelette. Et là, je suis prêt à mettre une cache. Je suis prêt à mettre une cache plus haut. Comme ça, ça me fait faire la. Ça me fait la plus chute. Ouais, là, ouais, là, si mais, même si mais, ouais, là, ouais, mais en fait, le problème c'est qu'il a trop de sorts. Ça va être relou toute la game, ça. Là, il lui reste plus quoi, tuer barbare. En vrai, je peux tenter de partir en cochon. Il a pas l'air d'avoir de bâtiment. Ok, bon, alors là, il a clairement un counter puissance 1 milliard, mec, il a 3 sorts. 3 petits sorts avec une toile, mon mec. Ok, on va partir en truffe mode tranquillement. Ouais, là c'est une game compliquée en vrai. Ok, là il part en ballon, logique. On va partir juste en mousquetaire pour aller dépop ça. Normalement je prends 0 coup. Ok. Là les gars, c'est le moment de forcer. Ah, il a colis, je suis con. Ouais, ouais, il a colis. Ah, attends. Mec, il a plus son arbre, il a plus tour à bombe là. Attends, il y a moyen de faire quelque chose là, il y a moyen de moyenner. On va tenter un pré-shoot quand même. Ok, bon, c'est pas pré-shoot, mais c'est pas grave, on prend quand même pas mal de dommages. On va remettre une petite cache tranquillement ici. Pour tempo. Ok, là il repart, ok, il a bien joué. On va mettre une petite mousquetaire ici. En fait j'ai de la chance, c'est qu'il n'ait pas de gros sort. C'est s'il a un gros sort, je suis dans la sauce. Et là les gars, c'est avec le moment spam là. Un max de spams. En vrai, le problème c'est que je vais mettre mon esprit un peu tard pour pouvoir se tout prendre. Ok, on va mettre une cache. En vrai, le match est compliqué là. Il a ballon. Ouais, mais en fait, il tire trop vite. Ok, on va partir en recul. J'ai bien fait shoot. Ok. Fort comme ça, là je prends mon mousquetaire, et là il a mal joué. Et là je pense que c'est le moment où il a mal joué. Bah parce que mec il a jamais eu un tour à bout comme ça. Là on met ça maintenant et on met l'esprit un peu derrière. Comme ça s'il met un colis, j'aurai de la value encore. Et il cherche les pays là. Attends, genre, je vous lis là. On va remettre une cabane. Une cage je veux dire. La mousquetaire qui va malheureusement se faire gérer, mais. Oh mec il a forcé là. En vrai là il a forcé de ouf hein, mec, là je vais directement sortir ça. Et là il a fait de la D. Et là c'est là où il a paniqué parce que regardez. Hop, petit dragon squelette pour aller gérer ça. Là on part en cochon royaume. On met l'esprit plus tard. Après il met le colis. Mais mec, à chaque fois il arrive à bien pré-shooter. Ah mais il est trop fort. Et même si j'arrive bien pré-shooter, etc. En fait le problème c'est que bah, il fait toujours un milliard de dégâts, faut que je tente de pré-shooter là. Je tente de pré-shoot. Vas-y, en vrai, je vais monter. Tac. En vrai, là, il a fait de la D. Hein, toi, hein. En vrai, là, il a bien fait de la D. Hein. Ben, en vrai, là, il a fait de la D. Hein. Mec, là, en fait, il panique. Juste pas bien. Juste à spam, mec. Juste à mettre ça comme ça. Et les gars, à partir. J'ai bout d'œuf. J'ai peur. Je vous avoue, les gars, j'ai peur. Et les gars, super combat, mec. En vrai la game était sérieuse. Je pense qu'il avait clairement le match-up, il a juste fait de la dé. Non là j'ai bien gagné. Mais vas-y, nous ça nous arrange, 2500 pièces, ça fait plaisir. On a 6 victoires de défaite, c'est pas incroyable, hein. Il y a mieux. Ouais bon.
Mec, il a un match-up tous les jours. Mec. Attends, je vais demander à mon clan qui a un match-up pour voir la réponse après. Les gars, on passe sur cette dernière game de la vidéo. Contre Wero du clan Heroes del Norte. Et on va partir en Fia Barbare. Tranquillement. Donc, je joue cochon. Je sais pas quoi faire. On va juste mettre une fireball. J'ai raté un fireball. Je sais pas ça. Ok, je vais prendre deux coups de cochon normalement. J'espère pas trois. Ok, ça. Il est. Alors, je sais pas si. Alors, toi, mec. Ouais, du coup, vous avez fait chier d'avoir posé ma cage. Mais vas-y, c'est pas grave. Ouais, il a une arme squelette aussi. Oh, il est trop lourd son deck. Hein. Il est trop lourd de ouf. Et là, le problème que j'ai peur, c'est qu'il détruise ma cage avant. Et s'il détruit ma cage avant, non, c'est bon, vraiment. Ouais, mec, arrête. Mais mec, comme il faut. Ouais, c'est chaud quand même. Hein. Et alors, faut juste qu'il se marche. Nickel. Et là, normalement, je vais attendre que ça cueille une autre cage. En vrai, ça va, je pense, j'ai fait une bonne défense. Hop, je vois bien qu'il met des bonnes pastos. Ok, nickel, parfait. En vrai, c'est chaud, je trouve. Ok, bon, là, clairement, il me souhaite air là. Prends 3 coups de cochon, ça ferme, là. 2, 3, ok. Et là, il a défendu qu'une arme squelette tout à l'heure. Ah, c'est relou, hein. Le mec il la met maintenant. Si l'année maintenant en vrai il y a moyen, je suis bien. Ouais, là je suis bien, ouais. Je vais juste mettre l'esprit maintenant. Ça me fait chier mettre l'esprit maintenant, mais il faut que je le mette, c'est... sinon j'ai vendu trop cher. Et là on peut partir. Et là, ça va faire mal. Surtout s'il met un Pékin en défense. Et j'ai le recru moi. Non, ça devrait aller en niveau def, ça devrait aller. Il va prendre très très cher, ça c'est good pour nous. On va mettre des recrues comme ça. Mais ça aussi, en fait, ça m'arrange pas qu'ils mettent ces archers. Je sais pas si j'aurais dû faire l'arbre en fait. Attends, est-ce que ça suffit ça? Je suis pas sûr, hein. Ah non, pas sûr. Hein. Pas tellement de mousquetaire, parce que je suis pas sûr. Ok, bah mec, et là, je sais pas ce qu'il fout, mec, mais il y a pas cher. Hein. Ok. Vite. Non, oh, dommage. Dommage. Ouais, en vrai, on va lui prendre le tarif. Là, la cage, maintenant. Ok, on va mettre les dents en squelette. On va repartir en fureur bas. Non, je prends un coup, mec. Oh non, c'est un scandale, mec. Je prends un coup. Non, je vais devoir boule d'œuf, non. Je vais devoir clairement boule d'œuf. Là, c'est la merde, là. Il n'y a pas de jeu sur un squelette, là. Si, il y a de jeu sur un squelette, mec. C'est mon gel, là. Go. Il a fondé extrêmement cher là mec. Oh les oh, vraiment ça va. Non ah, ça... Là mec là je pense pas je vais assumer. Est-ce que je peux recruter fond de match, c'est la question que je vais un truc comme ça. Ouais là c'est sûr qu'il allait faire ça. Clairement. Et là je pense. Non je vais la bouger. Ouais, maintenant je vais mettre un mousquetaire comme ça. Même si je prends deux coups de PK, c'est pas dramatique en soi. C'est maintenant, ça marche pas. Allez, mettre mon escalier normalement. Ah, mais escalier plus vite. Ouais, ça fait mal, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Vas-y, on va mettre ça, Hop, nickel. Et là, c'est le problème, c'est que, voilà. C'est que là, j'ai 0 d'Elex. Et j'ai peur sur ça, je pense, en vrai. Si je prends un coup, j'ai loose. Ouais, je prends un coup. C'est maintenant ou jamais, mec. C'est maintenant que je passe, ou c'est jamais que je passe, mais en fait. Là, mais c'est une boule d'œuf, là, non. C'est boule d'œuf, pas il, mec. Il a loose, mec. Mec. Attends. Oh, mec. Oh, le coup. Oh, mec, il aurait jamais dû perdre. Mec, ça fait deux fois que j'ai de la chatte, là, en bas. Et les gars, on récupère ces deux petits jetons légendaires qui font extrêmement plaisir. Et on va accepter ça. Et j'ai pas assez pour la deuxième bûche, mec. Bon. Soit ça fait plaisir, on est là, on est bien. Je pense essayer de taper les 15, comme ça, toutes les récompenses. Juste faire 15 pour taper toutes les récompenses.
Et puis voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez que je fasse d'autres, continuez à m'encourager. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu les gars, vous abonner et à partager la chaîne à vos potes et aux proches, à tous ceux qui jouent à Clash Royale. Et merci, ça me fera plaisir et ciao.